C'est à moi. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonjour, il fait jour. Je suis très contente avec l'ensemble de mes adjoints ici présents et en visio de vous retrouver dans ce nouveau live post-conseil municipal. Vous avez l'habitude maintenant, après chaque conseil municipal, on se retrouve le lundi suivant pour refaire un... Alors, vous donnez... du coup, je vous donne directement l'ordre du jour. De vous donner des points d'actualité qui ont eu lieu depuis une semaine, revenir sur le conseil municipal sur certains aspects pour les détailler, les développer un petit peu, faire un focus sur un ou plusieurs sujets, aujourd'hui il y en aura un, et répondre à vos 11 questions, aux 11 questions qui nous sont parvenues dans les délais. Voilà pour le programme de cet après-midi, de ce soir. Alors, vous avez suivi l'actualité peut-être, sans doute, et entendu le président de la République qui s'est exprimé la semaine dernière. Et de cette intervention est né un nouvel arrêté Covid que je vais vous résumer vite fait et qui a du coup des incidences sur l'accueil physique des spinoliens, enfin ou des comment dire des administrés d'une manière générale en mairie. Alors, du coup, pour ce qui est de l'organisation de l'accueil en mairie, en fait, notre directrice générale des services en particulier et notre direction générale d'une manière générale, s'appuient sur leur expérience du premier confinement pour remettre un peu en place ce qu'ils avaient fait chacun en ce qui les concerne dans leur commune à l'époque. Donc, comme partout, le télétravail sera la règle à partir du moment... Alors, il y a beaucoup de bémols, hein, à partir du moment où les agents ne sont pas en ASA, c'est-à-dire en autorisation spéciale d'absence puisqu'ils doivent garder leurs enfants puisque les écoles sont fermées, à partir du moment où ils n'ont pas besoin d'accéder au serveur depuis chez eux. Voilà, donc en fait, ça fait relativement peu de monde. La plupart des agents administratifs, en tout cas, vont être obligés de venir à tour de rôle travailler en mairie. Donc, du coup, la mairie sera ouverte pratiquement normalement et l'accueil par téléphone se fera à tour de rôle. La directrice générale des services a mis en place un planning où chacune, enfin, c'est essentiellement des femmes, vont venir à tour de rôle, répondre au téléphone, prendre vos messages pour assurer la continuité du service public et pour pouvoir répondre à vos questions et à vos demandes. Voilà, donc s'il vous plaît, si vous avez besoin de vous adresser en mairie, si vous avez besoin d'appeler, je vous remercie d'avance d'avoir un peu de patience pour celles qui n'ont pas l'habitude de répondre à l'accueil général au guichet unique de la mairie, mais plutôt plus spécifiquement à l'accueil de leur service. Voilà, donc il faut un peu de bienveillance et un peu de patience avec elles. Elles vont faire au mieux comme d'habitude, mais voilà, elles peuvent très bien ne pas être au courant de l'un ou l'autre des dispositifs ou des questions qui sont posées habituellement au guichet unique. Donc ça, c'est pour l'accueil de la mairie. Je reviens vite fait sur l'arrêté du 2 avril.
avec une toute petite synthèse pour vous donner un peu les grandes lignes de cet arrêté. Donc, les accueils des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire seront accueillis dans les écoles. De mémoire, je crois qu'on accueille autour de 30 à 40 enfants seulement, hein. Je rappelle à tous que les écoles sont fermées la semaine prochaine, et puis après, il y a les vacances scolaires. Et le sport en intérieur est interdit. Pour ce qui est des assistantes maternelles, elles peuvent recevoir. Alors, la crèche est fermée, mais les assistantes maternelles peuvent accueillir les enfants à condition de ne pas être obligées de garder leurs propres enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Donc, il faut voir au cas par cas qui peut accueillir qui. Les conservatoires de musique ne sont pas ouverts, ne sont ouverts que pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme personnalisant. Donc, ce n'est pas le cas pour Épinay, je ne pense pas en tout cas. Ensuite, les activités physiques et sportives des personnes mineures ainsi que des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat, peuvent se tenir dans les établissements de plein air et uniquement de plein air. Donc tout ce qui est en gymnase, ce n'est pas possible. Les activités dites récréatives organisées en intérieur, comme le dessin, ne peuvent plus avoir lieu. Les bibliothèques, elles, peuvent accueillir du public. Et le décret n'a pas d'incidence sur les mariages programmés qui peuvent continuer à être maintenus. Donc voilà. Oui, Je me permets vas-y Nathan. d'intervenir, comme tu viens de parler des bibliothèques. Ça aura aussi une incidence sur le fonctionnement de la médiathèque, puisque les bibliothécaires qui vous accueillent doivent garder leurs enfants. Donc forcément, ça Oui. aura un impact sur le service et Oui, vous tu as aurez des raison. informations très prochainement à ce sujet. Oui, tu fais bien de le préciser. En fait, ce dispositif un peu idéal ne fonctionne que si les agents ne se, d'une manière générale, hein, et on le voit dans plusieurs de nos services, si les agences peuvent venir travailler, bien évidemment. Donc ça, c'était pour l'accueil et le maintien du service public. Je change de sujet et je passe à la vaccination. J'ai fait un point en conseil municipal mardi et j'ai oublié, ça c'est pas bien du tout, de remercier tous les médecins, les infirmières et les 6 bénévoles de l'association CIM qui apportent une aide précieuse au fonctionnement du vaccinodrome de Longjumeau et qui participent ainsi aux côtés de Christiane Martin et des agents communaux à l'effort de vaccination. Voilà, donc merci à eux et pardon pour le délai de remerciement. Ensuite, rien à voir avec ce qui précède. J'ai eu un petit message un peu, comment dire, désespéré de l'agriculteur Gérard Prodel, qui me demande de bien rappeler à tout le monde qu'il est strictement interdit de courir, de jouer, d'envoyer la baballe aux chiens dans les cultures. Parce que dès qu'un pied est mis dans les cultures, dès que les gens piétinent ou passent en VTT ou comment dire, promènent le chien dans les cultures, bah, les cultures, ça les abîme. Donc c'est vrai que c'est du bon sens. Et il me dit que chaque année, il a quand même un certain nombre de mètres carrés de cultures qui sont inexploitables, qu'il peut pas récolter, tout ça parce que les cultures cohabitent difficilement avec les passages des sportifs et des promeneurs. Donc voilà, si vous pouviez penser, s'il vous plaît, à respecter bien les sentiers entre les champs et ne pas rentrer dans les cultures. Ça lui facilitera la tâche, vraiment. Et pour non, c'est pas fini. Je voulais ensuite faire un point sur la sécurité, la police nationale, le commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois. Alors, aucun lien non plus avec ce qui précède. Commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois, vous l'avez peut-être vu dans la presse locale, a procédé à l'arrestation d'un dealer et a pu ainsi récupérer 40 kilos de résine et 700 grammes d'herbe. C'est une grosse prise pour notre secteur. Ils sont très contents de pouvoir avoir mis la main là-dessus. Moi, ce qui me rassure et je me félicite vraiment que cette opération ait pu être menée avec très certainement comment dire,
Alors, dénonciation, j'aime pas, mais en gros, c'est ça quand même, avec des indications de personnes qui ont pu aider la police nationale et pour que, voilà, pour que ce trafic puisse cesser. Et c'est une très bonne chose. Et merci aux policiers nationaux de notre secteur d'avoir pu mener à bien cette enquête. Et puis un dernier petit point pour clore cette actualité du moment, et je te donne la parole, Nathan. Ça concerne. Bah vas-y, ça concerne. Ça concerne l'appel à idées pour l'espace culturel. Et puis on a oublié Olivier, je te donne la parole dans une minute. Oh, j'ai oublié C'est Olivier. pas Oh grave. là là. Merci. Hop. Alors on a lancé, vous l'avez vu dans le dernier écho, un appel à idées pour trouver le nom du futur espace culturel. Alors l'espace culturel, c'est quoi? C'est tout simplement l'actuel nom, la médiathèque qui est en travaux, que nous souhaitons à présent appeler espace culturel, puisqu'en fait, suite au changement qu'on a opéré au sein du projet, avec la future salle polyvalente qui aura en rez-de-jardin, et puis les aménagements qu'on a prévus dans le jardin avec un petit amphithéâtre minéral, ce sera un ensemble qui est un espace culturel, en fait, c'est le bon mot. Et donc c'est comme ça qu'on vous propose de dénommer cet espace, et puis il faut lui trouver un nom. Donc on vous propose sur le site internet de la ville, à l'accueil de la mairie, il y a aussi une boîte à idées, et puis à l'actuelle médiathèque, vous pouvez y déposer vos idées. Et puis jusqu'à mi-mai, on va recevoir toutes vos idées. Par la suite, un jury va se regrouper qui sera composé de conseillers municipaux et puis des élus du conseil municipal des enfants pour faire une petite shortlist, pour sélectionner les meilleurs noms. Et puis on procédera par la suite à un vote à partir du début du mois de juin pour qu'ensemble on puisse choisir le nom de cet espace culturel. C'est pas tous les jours qu'on ouvre un grand espace comme ça à Épinay, et c'est important que chacun se saisisse et s'approprie ce nouveau lieu. Voilà. Merci Nathan. Donc Olivier, je te laisse la parole. Tu avais un point à aborder. Alors, on innove un peu ce soir puisque une partie des intervenants sont en visioconférence. Voilà. Oui, écoutez, bonsoir à tous. Alors, en tout cas, bravo Nathan dans la technique, parce que là, je pense qu'on Merci. performe sur le sujet, où on arrive à faire des lives en visio, donc c'est absolument top. Voilà, donc bravo Nathan, je te félicite sur ce coup-là. Merci. Donc sur le bar, oui, donc pour les utilisateurs du marché, on a pu découvrir qu'il y avait un bar qui a été installé. Alors la genèse de ce sujet-là, elle est toute simple. Hein, au cours de l'automne 2020, on a rencontré à la fois les commerçants du marché et à la fois les commerçants du centre-ville pour savoir quelle action on pouvait faire assez rapidement pour pouvoir dynamiser le marché. Donc les commerçants du marché nous ont assez vite indiqué qu'un bar était quelque chose qui marchait bien. Je crois que c'est à Viry-Châtillon ils ont fait cette opération-là et ça a bien boosté le marché. Donc on s'est dit pourquoi pas, il y a de la place de libre au moins sur une petite partie. Et donc on en a profité aussi pour en parler aux commerçants du centre qui auront une problématique, notamment quand ils veulent faire des animations commerciales. Soit ils faisaient sur le trottoir dans la rue qui n'est pas du tout convenable en termes de sécurité et en termes d'ergonomie, d'utilisation. Donc voilà, donc il y a vraiment un vrai besoin dans le centre-ville d'avoir un espace plutôt agréable en tout cas pour que les commerçants puissent développer leur activité. Donc tout naturellement, on a pensé donc à un bar. Sur une queue de budget, on a pu mobiliser l'argent pour le faire. Donc c'est à peu près 6 000 euros. Ça s'est fait en interne. Donc voilà, donc le bar a été réalisé en fait un peu sur le temps masqué hein, du personnel communal. Quand ils avaient des demi-journées, par exemple, bon, ils ont pu passer du temps. Malheureusement, on est quand même beaucoup entravé par le Covid. Hein. C'est compliqué de l'ouvrir. Compte tenu de toutes les circonstances actuelles. Donc là, aujourd'hui, le bar est quasiment fini. Il ne reste plus que la vitrine à mettre. Alors, la personne qui s'occupera en fait d'exploiter le bar pendant les journées de marché, donc le mardi, le vendredi matin, ça sera en fait Chana, qui travaille au Flash, hein, qui est la responsable, hein, qui est propriétaire du Flash. Hein. Donc, ils se feront juste de la concurrence entre elle et son mari. Donc, il n'y aura pas de mauvaise concurrence, en tout cas, ça c'est plutôt bien. Voilà, donc ça sera les jours, on va dire, standards de marché. En principe, elle proposera aussi une offre de cuisine asiatique. Hein.
Donc on aura la possibilité de pouvoir aussi acheter, et donc ça fait un nouveau commerçant finalement aussi au niveau du marché. Donc voilà, ça on va dire, c'est dans le schéma normal. Et puis après, on va profiter aussi de cette nouvelle structure dans le marché, pour pouvoir faire des animations commerciales avec les commerçants du centre. Donc le caviste par exemple qui fait le Beaujolais nouveau, au lieu de le faire sur le bord de la rue, et il le fera maintenant dans un endroit fermé, ça sera quand même plus intéressant pour lui, ou le boucher, ou les boulangeries. Voilà, maintenant on leur donne en tout cas un bel outil pour pouvoir développer leur activité. Voilà, donc on a vraiment hâte qu'on sorte un peu de cette crise pour justement pouvoir l'ouvrir officiellement. Et puis voilà, donc ça sera on espère un point de rencontre en tout cas pour les Spinoliens. Et voilà, on pourra venir prendre à la fois son café, venir faire ses courses au marché le mardi et le vendredi. Voilà. En tout cas, juste pour compléter, je remercie franchement les services techniques quand même, qui ont fait un super boulot. Voilà, on peut faire des choses en interne de façon agile, rapide et de qualité. Voilà. En tout cas, bravo pour leur collaboration. Et je suis allée voir un peu ce qu'ils ont fait. Alors oui, effectivement, ils ont fait un travail très sympa et vraiment, on les remercie pour ça. Mais je crois en plus qu'ils ont récupéré des meubles et qu'ils n'ont. En fait, c'est beaucoup de récup, hein, dans ce qu'ils ont fait. Il y a peu de choses qui ont été achetées. Hein, Olivier, tu confirmes? Exactement, le bar en fait, le bar c'était un ancien comptoir pour un local commerce médical qui ne servait plus à rien, qui était stocké et qui ne servait pas. Donc ils l'ont repris, ils l'ont un peu adapté, puis voilà, donc on a fait de la récup. Donc en plus on est vertueux, c'est-à-dire qu'on fait du cycle, voilà. Donc Recyclage, ça du tourne et on n'a pas, voilà, homestaging. que du recyclage. Voilà, c'est Super. super. Voilà. Merci Olivier. Alors, on va passer au point suivant, enfin au chapitre suivant, retour sur le conseil. Donc, je vais te donner la parole à Franck Barrière qui est à côté de moi. Vas-y, Franck. Bonsoir. Donc effectivement, avant de faire le retour sur le conseil, quelques précisions concernant l'accueil des enfants dont les parents exercent un métier dit essentiel. Effectivement, la semaine prochaine, la trentaine d'enfants concernés seront accueillis sur le site de Camus élémentaire et Camus maternelle par des animatrices et des animateurs. Et les mêmes enfants pourront être accueillis pendant les vacances scolaires au sein des centres de loisirs. Donc effectivement, ça concerne entre une trentaine et une quarantaine d'enfants. Voilà. Donc c'est nous on s'est adapté en fait aux directives qui sont sorties et notamment qui sont sorties au niveau de l'éducation nationale pour pouvoir accepter les familles concernées. Voilà, je tiens à remercier quand même une fois de plus, hein, parce que cette crise cette crise sanitaire, ça demande quand même beaucoup de réactivité à chaque fois aux différents services. Et pour voir en tout cas œuvrer le service scolaire, périscolaire, les personnels de l'éducation nationale et les personnels de la municipalité sont vraiment à pied d'œuvre à chaque fois pour interpréter et au plus vite et mettre en œuvre des solutions. Voilà. Donc merci à eux. Ensuite, je voulais revenir effectivement sur le conseil municipal, juste pour vous partager en tout cas la convention qu'on a effectivement signée avec le domaine de Sillery. Domaine de Sillery qui nous laisse depuis le jour de la signature, donc le 24 mars de mémoire, donc qui nous laisse effectivement accès pour les enfants, enfin nos enfants spinoliens qui fréquentent les accueils de loisirs maternels, élémentaires et le service jeunesse, donc accès au domaine, accès aux infrastructures. Donc le parc en soi est magnifique, donc les enfants vont pouvoir quand même bénéficier d'espaces très agréables, vont pouvoir bénéficier également des différents équipements sportifs. Hein, ils ont un terrain de basket, ils ont un terrain de tennis, un city stade, voilà, et également accéder finalement à toute la richesse de l'activité de ce domaine, tourné autour du médico-social, qui accueille des personnes en situation de handicap ou en réinsertion.
Voilà, l'idée vraiment, au-delà du bénéficier du site, ça va être de bénéficier de toute la richesse humaine de ce site. Et en tout cas, pour avoir œuvré sur la création de cette convention, j'ai pu vraiment rencontrer des gens enfin, très intéressants. Et on a hâte que les projets puissent se mettre en place. Les accueils devaient fréquenter, commencer à fréquenter le site à partir du mois aux vacances d'avril. Là, effectivement, c'est un peu compliqué parce que le calendrier a été bouleversé avec les annonces gouvernementales. Mais on va faire notre maximum pour pouvoir y aller les mercredis du mois de mai-juin et surtout pendant les vacances scolaires de juillet-août. Voilà. Un autre point, effectivement, sur des délibérations qui ont eu lieu au dernier conseil municipal, relatives à la mise en place de veillées, donc veillées classiques pour les enfants de maternelle, et des veillées avec nuitée, nuitée sous toile, sur les espaces engazonnés du CAVOM, du stade des Templiers. Voilà. Donc là, effectivement, au-delà de ces veillées qui seront mises en place et qui commenceront, ce seront une sorte de pied à l'étrier pour amener les enfants à participer à des mini-séjours. Donc mini-séjours, quatre mini-séjours vont être organisés en juillet-août au niveau de l'accueil élémentaire, deux à destination des 6-8 et deux à destination des 9-11. Mini-séjour de proximité hein, dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres, donc 3 nuits, 4 journées. Voilà. Et puis au niveau du service jeunesse, deux mini-séjours mis en place, un à destination des 11-13 et un à destination des 14-17 ans. Avec l'objectif, notamment pour les 14-17 ans, c'est d'aller assez loin dans l'autonomie, dans la construction du séjour avec les jeunes. Voilà. Pour la municipalité, ben effectivement, il va falloir qu'on réinvestisse dans du matériel de camping. Enfin, tout ça, c'est en cours en ce moment avec les services. Et donc, on espère évidemment que la crise sanitaire nous permettra quand même de mettre en œuvre ces projets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Voilà. Et puis, un dernier point concernant une question, Nathan. Je la pose, c'est Voilà. la question 6. On nous a demandé quel est le calendrier de remplacement des Jeux des Grands dans le parc des Templiers. Alors effectivement, ces jeux, le jeu donc des grands qui se trouvait dans le parc des Templiers avait été vandalisé l'an dernier. On a récupéré une somme en lien avec l'assurance. Et puis il fallait mettre un petit peu au bout. Hein, du coup, on a créé dans le budget une ligne spécifiquement dédiée pour pouvoir proposer un nouveau jeu. Et donc ce jeu sera, donc le bon de commande a été signé il y a quelques semaines. J'étais en lien avec le commercial il y a peu de temps, donc il attend juste le retour de la date de fabrication du jeu auprès du fabricant. Et donc le calendrier, logiquement, nous amènerait à pouvoir remettre à disposition des jeunes spinoliens ce jeu à partir de la mi-juin. Entre mi-juin et fin juin, on devrait finaliser les travaux. En écho, enfin juste pour préciser, il y avait différents parents qui estimaient que c'était compliqué d'avoir un jeu dans un espace de sable, etc. Donc du coup, on a pris la décision de mettre ce jeu en face des jeux des petits, dans un espace qui sera ombragé et qui sera notamment le support au sol sera seront des copeaux de bois ignifugés qui permettront une meilleure on va dire hygiène pour les enfants et ça répond du coup à l'inquiétude de certains parents qui hésitaient à faire gambader leurs enfants dans les espaces ensablés. Bon, d'autres, ça ne les gênait pas, mais il y aura toujours un espace ensablé pour ceux qui veulent absolument aller faire des châteaux de sable. On pourra organiser des concours. Voilà. J'espère avoir répondu clairement à la question. Et puis, je vais repasser le micro à Muriel. Merci. Merci Franck. Toujours dans ce chapitre retour sur le conseil municipal, je vais donner la parole à Sylvie Panzani qui a présenté la dernière délibération du conseil, souvenez-vous, sur une convention qu'on a signée avec l'ALEC.
Sylvie, tu as la parole? Bonsoir à tous. Oui, moi je souhaitais revenir sur cette délibération importante passée au dernier conseil qui concerne un nouveau partenariat entre la commune d'Épinay et l'association ALEC Ouest-Essonne, qui est une association qui œuvre en faveur de la transition énergétique, qui permet de sensibiliser, de mobiliser et d'impliquer les différents acteurs à l'encouragement à la sobriété énergétique. Donc c'est une grâce à cette convention qui sous la forme d'une adhésion de 1 euro par habitant, qui est cofinancée par la CPS, qui est partenaire de l'ALEC et la commune d'Épinay, tous les Spinoliens accèdent à des services complémentaires de cette association sur différents sujets en faveur du conseil et de l'accompagnement à la rénovation énergétique. Par exemple, pour le grand public, les particuliers, ils peuvent recueillir des conseils en vue de la rénovation de leur habitat. Il y a aussi un volet qui lutte contre la précarité énergétique avec un programme qui dispense des conseils pour diminuer ses notes de consommation d'énergie, que ce soit en gaz, en électricité. D'autres publics sont concernés par l'ALEC, notamment les copropriétés. Cette adhésion permet d'aller vers les syndics de copropriété de façon à pouvoir préparer des diagnostics et à pouvoir organiser des démarches de rénovation de l'habitat collectif. Enfin, dernière cible de l'ALEC, qui conseille également les communes et donc qui va conseiller Épinay dans le cadre d'un bilan énergétique du patrimoine communal, donc les équipements, les écoles, la mairie, enfin les différents équipements de la commune, et également accompagner la commune dans la mise en œuvre, dans la déclinaison communale de la charte plan climat qui a été approuvée en 2019 par la CPS. Donc ça va être un partenariat fructueux avec l'ALEC, on l'espère, qui va se décliner au niveau de la mairie d'une part, mais au niveau de tous les relais, les habitants, les syndics de copropriété, pour aller vers une rénovation du bâti. Donc on reviendra sur ce sujet important dans un prochain écho. Dans le prochain écho, on fera un article détaillé sur comment accéder, en quoi consistent les différents services de l'ALEC. Et il y aura aussi l'ALEC, évidemment, viendra à Épinay lorsque les conditions sanitaires le permettront pour aller à la rencontre des habitants, des propriétaires, pour organiser le conseil en vue des rénovations et surtout les conseils pour accéder à des aides dans ces domaines qui sont très coûteux. Donc voilà, on espère un partenariat fructueux avec l'ALEC pour l'aide à la. Ça y est. Merci Sylvie pour ces précisions. Donc c'est un projet important qui a beaucoup de sens et qui, hein, vous l'avez bien compris, vient autant en aide aux collectivités territoriales qu'aux particuliers. Voilà. Je donne maintenant la parole à Nathan qui va revenir dans le cadre du focus sur les conseils de quartier puisqu'il y a de l'évolution depuis mardi dernier. Alors, un petit focus pour vous parler des conseils de quartier. Et donc, je vous tiens informé de ce qui se passe, puisque les conseils de quartier sont à présent lancés. Le 24 mars, on avait tiré au sort les représentants des conseils de quartier avec les élus du conseil municipal des enfants. Et puis, depuis mercredi dernier, on a organisé les premières réunions pendant lesquelles les représentants ont pu se rencontrer. Alors c'était en visio, mais forcément, mais bon, ils ont pu commencer à échanger, à se découvrir. Et le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a des spinoliens très investis qui ont énormément de compétences dans plein de domaines, qui ont beaucoup d'idées, qui ont vraiment envie de s'investir pour la commune. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie richesse finalement. Donc de pouvoir compter sur eux et de pouvoir réfléchir avec eux sur les enjeux du quartier. Donc on a pu faire ce tour de table. On a pu rappeler avec Séverine Le Poulain, qui participe aussi à l'animation de ces conseils de quartier, on a pu leur redire comment fonctionnaient ces conseils
conseils de quartier, leur donner les règles du jeu quelque part. Et puis on a pu procéder à l'élection des présidents de conseils de quartier. Alors c'est peut-être un dispositif qui évoluera, on va voir avec eux, peut-être que ça évoluera. Alors dans le cadre actuel, on a pu élire deux présidents. Alors au Morgard, on a Corinne Grison qui a été élue, et puis dans le quartier centre-ville au Gravier Petitvaux, c'est Brigitte Cochon qui a été élue présidente du conseil de quartier. Bravo à eux. Et puis dans les autres conseils de quartier, il a été décidé de ne pas tout de suite élire le président, puisqu'il préférait attendre de se rencontrer. Voilà, ils s'organisent de toute façon en autonomie, hein. Donc c'est eux qui décident des horaires de réunion, c'est eux qui choisissent s'ils votent ou pas pour un président. De toute façon, on n'avait pas de candidature dans ces quartiers-là, donc ils fonctionnent de façon collégiale, et puis on les accompagne sur le début de leur mandat. Voilà. Ces premières réunions dans certains quartiers, elles ont aussi permis d'aborder certains sujets. Au Morgard, on a notamment parlé de sécurité, c'est vrai que c'est un sujet qui est arrivé tout de suite. Et notamment, on nous a fait remonter la volonté de réactiver le système de voisins vigilants qui avait été peut-être... Il y avait eu des discussions pour le mettre en place, puis ça n'avait jamais abouti. Et puis là, ça revient sur la table. Donc là, c'est un sujet qui sera débattu, discuté dans les prochains jours par le conseil de quartier de Morgard. Ils ont aussi échangé à propos des accès au T12. Par exemple, l'accès, ils se demandaient s'il était, par exemple, plus facile de rendre les accès plus simples pour la gare de Gravigny-Balizy ou alors de Petitvaux. Donc voilà, c'est des sujets qui les intéressent. Dans le centre-ville, il y a des balades qui vont être organisées entre eux pour qu'ils puissent se rencontrer. Et puis, ils vont essayer de trouver les problématiques importantes du quartier sur lesquelles ils vont commencer à réfléchir. Donc voilà pour les conseils de quartier. On va mettre en place des réunions de... On va mettre en place des adresses mail pour que vous puissiez les contacter. Et puis, ils s'organisent pour les prochaines réunions. Et voilà pour les conseils de quartier. Oui, donc comme vous pouvez le constater, c'est très très chouette, hein, cette dynamique qui prend tout de suite, rapidement, en l'espace de quelques jours. Chacun a vraiment envie de participer à ça. C'est vraiment une grosse grosse satisfaction pour tout le monde, et puis pour moi en tant que maire en particulier. Donc voilà, j'ai un peu impatient de voir ce que ça va donner. Il y a plein de belles choses qui vont pouvoir se faire. Ouais, ça c'est trop bien. Voilà, donc on a fait le tour. J'ai oublié personne ce coup-ci, parce que j'ai tendance à aller un peu vite. On est bon. Alors on va passer à présent aux réponses à vos questions. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y en a 11. Chacun d'entre nous va répondre en fonction du sujet et en fonction de son niveau de connaissance du domaine. Deux premières questions, c'est Olivier Marchaud qui va y répondre. Donc Olivier, je te laisse la parole. La première question, quel est l'aménagement prévu au carrefour entre la rue de Grandvaux et la rue des Rossets? Aujourd'hui, il y a une étude en tout cas qui est faite pour potentiellement mettre des feux tricolores. Alors pourquoi cet aménagement? Déjà, un, pour sécuriser un peu plus la rue de Grandvaux, qui est quand même une artère importante dans la commune et sur laquelle la vitesse est relativement importante. Donc ça va permettre quand même de réguler et surtout peut-être de limiter un peu la vitesse sur la rue de Grandvaux. Et puis on anticipe aussi l'arrivée du T12, parce que l'arrivée du T12 fait que la rue des Rossets ne sera limitée en fait dans le bas, hein, donc ça viendra en fait une voie sans issue. Donc automatiquement la rue sera à double sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une rue qui est à sens unique, donc cette rue deviendra à double sens. Donc voilà, donc plus le fait qu'il y a un aménagement urbain qui va se faire aussi à côté. Donc voilà, donc ce carrefour-là va évoluer en tout cas dans le temps. Donc on anticipe en fait cette évolution en étudiant justement la possibilité de mettre un feu tricolore. Donc on en saura plus au cours des prochaines semaines et prochains mois, en tout cas en termes de faisabilité. Et puis voilà, donc ça c'est les services techniques sont sur le sujet en ce moment. Voilà.
Ok. Alors, on a une deuxième question qui te concerne. Comment faire pour se renseigner sur les projets en cours ou à venir concernant le centre-ville, et plus particulièrement suite au dernier live et à la réponse concernant le centre-ville qui est tout sauf attractif? Y a-t-il une chance que la demande formulée aboutisse? Que faut-il faire sinon pour que cela soit étudié? Par exemple, avec la création de zones piétonnes, rue des Écoles ou Guy Môquet, suppression de places de parking dans la grande rue, ou création de places sur l'esplanade ou ailleurs. Bon, voilà, la question était un peu longue. Donc oui, alors bon, dans cette question, je pense qu'il y a plusieurs sujets en fait. Bon, le centre-ville va naturellement évoluer. Hein, vous avez vu qu'il y avait, un certain nombre de permis qui étaient accordés. Donc évidemment, le centre-ville va être modifié, va être reconfiguré et certainement revitalisé. Donc voilà, ça, effectivement, on incite fortement les promoteurs en tout cas à essayer de faire des réunions publiques pour présenter les projets en amont. Donc voilà, donc on normalement devrait avoir des projets qui vont être présentés incessamment sous peu. Donc vous serez tenu informé par les canaux classiques, hein, donc sur le Facebook ou sur le site de la mairie. Donc voilà, donc ça c'est première chose. Donc là c'est plutôt la démarche des promoteurs vis-à-vis de la population. Après, au niveau de l'aménagement du centre-ville, effectivement, il y a différentes réflexions qui émergent, soit de la part de Spinolien, par leur bon sens aujourd'hui ont des idées de comment on peut réaménager le centre-ville. Évidemment, on était dans l'attente aussi de la mise en place des conseils du quartier, qui seront naturellement des acteurs importants, en tout cas dans cette réflexion-là. On associera évidemment aussi les associations, parce que les commerçants sont évidemment les premiers concernés, mais on a aussi des associations de quartier qui peuvent être aussi intéressées par ce sujet-là. Donc voilà, donc on a un certain nombre maintenant d'acteurs qui seront naturellement concertés autour de ce sujet-là. Donc voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on essaie de travailler un petit peu en amont pour avoir un minimum de données de base qui vont être sur des pré-projets ou des études de faisabilité sur un certain nombre de sujets, pour avoir en tout cas des notions de, voilà, je le répète, de faisabilité et essentiellement aussi des informations au niveau des coûts. Voilà, l'idée, c'est quand même de cadrer un peu les réflexions collectives pour éviter de partir dans des choses soit totalement irréalisables techniquement, totalement irréalisable financièrement. Voilà. Donc une fois qu'on aura fait la concertation qui ira bien et qu'on aura, on va dire, un projet de mise en place de nouvelles places de parking, de réaménagement du centre, donc avec une sécurisation de la grande rue, une rue Guy Môquet certainement à reconfigurer pour peut-être mettre plus en valeur en tout cas les halles. Voilà, donc il y a vraiment ça, c'est un petit peu ce qui fait le sens de la rénovation du centre-ville. Une fois qu'on aura tous ces éléments-là, après, ben, on aura un chiffrage. Et après, ben, faudra voir la capacité, en tout cas la commune, de pouvoir financer cette opération-là. Et il faudra certainement aller chercher évidemment des subventions auprès des partenaires qui seront l'agglo, qui seront le département, qui seront la région peut-être. Donc voilà, donc ça, ça va être un sujet long qui nécessite quand même de beaucoup de travail à la fois de la technique et à la fois des financiers. Mais en tout cas, l'idée est bien de faire contribuer au maximum les Spinoliens sur ce sujet-là. Donc l'information passera essentiellement par le Facebook et puis par l'Internet. Et puis évidemment, dans les échos, il y aura toujours une partie pour pouvoir relayer les informations. Merci Olivier. On passe à la question 3. Serait-il possible d'avoir un réel passage piéton entre la rue de l'Esplanade et le parc de la mairie? Cela est vraiment dangereux, il nous faut traverser deux routes où la signalisation n'est vraiment pas visible. Alors, je vais essayer de répondre à cette question. Je suppose qu'il s'agit de l'accès entre la rue de l'Esplanade et l'Esplanade elle-même, parce que le parc de la mairie, on y accède par la rue de la Gatinelle. Bon, je suppose que la question concerne la sécurisation du cheminement piéton autour du chantier de la médiathèque, du futur espace culturel, qui n'a pas encore de nom, mais comme vous allez tous y réfléchir, il aura bientôt un nom qu'on choisira ensemble. Tout le réaménagement de cet espace est prévu en lien avec l'entreprise qui procède aux travaux. Oui, bien sûr, il faudra revoir les cheminements, enfin revoir surtout les zébras, enfin les traversées.
faudrait, là, il faut que je, enfin, là, pour ça, il faudrait que j'aie le, comment dire, l'avis des services techniques qui ont certainement déjà réfléchi à la question, mais c'est quelque chose qui est tout à fait nécessaire, oui, en effet. On passe à la question 4. Serait-il possible d'envisager un enfouissement des réseaux aériens pour éliminer cette pollution visuelle et ainsi embellir notre ville? Alors, j'adorerais que tout soit enfoui. Je pense qu'on aimerait tous que plus rien ne soit apparent dans cette commune où il y a quand même une bonne forêt de câbles aériens. J'avais commencé à faire le tour avec quelqu'un dont c'est le métier, qui m'avait expliqué que, au bas mot, il faudra entre 20 et 25 millions d'euros pour éventrer toutes les, enfin, dévoyer, c'est le terme, hein, dévoyer tous les trottoirs et toutes les rues et tout enfouir et tout raccorder chez les gens. Il est bien évident qu'on n'aura jamais une somme pareille, surtout que c'est plus subventionné depuis bien longtemps. En fait, chaque fois que ce sera possible et chaque fois qu'on procédera à des réflexions de voirie, on envisagera avec les concessionnaires le dévoiement pour que tous les réseaux soient bien évidemment enfouis. C'est quelque chose de très long, c'est quelque chose de très coûteux et malheureusement, ça se fera pas ni sur un ni sur deux mandats. Ça prendra le temps que ça prendra. Voilà. Mais oui, bien sûr, hein, si, tant que ce sera possible, on le fera, bien évidemment. On passe à la question 5 qui concerne Olivier Marchaud. La municipalité a-t-elle démarché des commerçants pour remplacer l'ancien marché bio du centre commercial des Tourelles? Alors la problématique de cet exercice-là, c'est que le centre commercial des Rossets est un centre privé. Donc aujourd'hui, il y a un syndic qui gère en fait les commerçants. Donc si reprise de commerce, ça ne peut se faire que par le biais d'opérations directes, en tout cas entre un commerçant et le syndic du centre commercial des Rossets. Maintenant, nous, mairie, on a la capacité en tout cas de pouvoir réorienter. Donc le service vie économique de la mairie qui a été mis en place donc, il y a maintenant quelques mois, justement maintenant totalement à la manœuvre sur ce type de sujet. Donc maintenant qu'on a des commerçants qui veulent s'installer sur Épinay, et en fait il y en a finalement beaucoup de demandes qui arrivent, ce qui est plutôt une très bonne chose. Malheureusement, on n'a pas forcément beaucoup de locaux commerciaux à leur proposer. Donc on va faire un peu entremetteur maintenant au niveau de la mairie. Donc on recense tous les locaux vides et après en fait on redirige tous les gens qui veulent les locaux vers les locaux libres et donc par rapport soit par les agences ou directement par les propriétaires. Donc en tout cas pour répondre plus précisément à la question aujourd'hui, clairement ça peut être que la reprise ne peut se faire que par une opération privée vers le centre commercial. Et donc alors si on a une bonne si on a effectivement des gens intéressés qui seront dans ce domaine-là, évidemment, on va les renvoyer vers le domaine vers le centre commercial des Rossets. Mais voilà, donc là, la mairie ne peut pas malheureusement faire grand-chose sur ce type d'opération. Merci. Alors, on passe maintenant à la question 6 qui a déjà été répondue par Franck Barrière. C'était à propos des jeux pour les grands dans le parc des Templiers. Donc, on passe à la question 7. Suite aux travaux de remblaiement réalisés dans le parc des Templiers, la fissure de la chaussée attenante est de plus en plus marquée. Oui, c'est vrai, hein. Vous vous souvenez, en juin 2020, le remblai des terres du chantier du T12 ont été effectués dans le parc des Templiers, ce qui a très vraisemblablement créé une fissure le long du passage en enrobé qui jouxte ce remblai. Et il faut surveiller de très près cette fissure qui, a priori, au dire de quelqu'un dont c'est également le métier, un géologue qui est passé samedi, c'est-à-dire avant-hier, jeter un œil, c'est ça, hein, ou peu importe, en tout cas, ces derniers jours, qui est passé observer un petit peu la situation. Donc effectivement, il faut surveiller de près, mais enfin, il n'y a pas un risque d'effondrement, a priori, il n'y a pas un risque d'effondrement imminent. Voilà pour cette question. On passe à la question 8. Quel est le calendrier de mise en œuvre du plan vélo? C'est Olivier Marchaud qui répond. Oui, donc pour le plan vélo, alors la mise en œuvre va prendre pas mal de temps. Donc là aujourd'hui où on en est, on vient de signer en fait une convention de commande groupée avec l'agglomération. Donc l'idée c'est d'avoir des bureaux d'études retenus collectivement avec l'agglo. Donc on aura peut-être deux ou trois bureaux d'études qui auront à travailler sur l'ensemble des communes de l'agglo. Donc il y a 23 communes qui en tout cas ont adhéré et qui ont la volonté de faire un plan vélo communaux.
enfin, des plans volontaires communaux, donc ce qui est une super belle chose, parce qu'aujourd'hui on doit être une des rares agglos de France où toutes les communes font leur plan vélo communal en même temps. Donc ça, c'est quand même quelque chose de relativement remarquable et qui doit être quand même noté. Donc on aura la chance de voir à la fois un plan vélo communautaire, donc là c'est en gros pour toutes les liaisons entre toutes les communes de l'agglo, et chaque commune aura aussi son plan vélo local. Donc voilà, on est vraiment dans une démarche collective avec toutes les autres communes, donc ça c'est le premier point. Donc le bureau d'études va être désigné certainement courant mai. Après, il y aura une phase de diagnostic, il y aura une phase d'études, et puis après, il y aura un plan qui sera certainement fait peut-être fin d'année, où là, on aura vraiment le schéma directeur de ce qu'on veut faire sur Épinay, avec évidemment ce qu'on appelle un PPI associé, hein, donc c'est un PPI associé, pardon. Donc c'est un plan prévisionnel d'investissement et qui vont étaler les investissements sur 2, 3 ou 4 ans. Évidemment, parce que là, c'est beaucoup de voirie à reprendre et où il va falloir créer des pistes ou matérialiser des pistes de façon marquée pour qu'il y ait vraiment qu'on puisse vraiment faire du vélo en toute sécurité sur Épinay. Donc voilà, donc là, c'est un travail qui va durer un certain temps. Alors, dans l'immédiat, on va certainement faire une réunion publique courant, alors peut-être fin avril. On vous présentera un petit peu la démarche, on vous présentera un peu le contexte de ce qu'est le vélo en Île-de-France et la déclinaison qu'on va faire jusqu'à Épinay. Donc voilà, une réunion d'information et un peu que tous les Spinoliens aient à peu près une vision de ce qu'on souhaite faire, en tout cas en termes de vélo sur Épinay. Et évidemment, ce travail qui a été fait en amont et qui donc sera présenté au public, bah ça sert d'élément de base en fait à l'étude qui va être faite par le bureau d'études dans les semaines à venir. Donc voilà, à noter sur vos tablettes, donc certainement une réunion publique fin avril, je pense. Donc on n'a pas encore défini la date, mais ça devrait se faire normalement dans les jours à venir. Voilà. Merci. On passe à la question 9. Est-il envisageable d'ouvrir à la location au privé la salle Georges Pompidou pour des événements privés afin d'augmenter les recettes de la commune? Alors, je vais y répondre. Ça serait effectivement une idée pour faire augmenter les recettes de la commune, mais sur le papier, c'est une bonne idée. Et dans la réalité, c'est compliqué puisque la salle des fêtes est très utilisée par les associations, par la municipalité quand on organise, par exemple, les conseils municipaux en ce moment. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait compatible pour accueillir des événements privés. Ça nécessite également qu'il y ait des La agents présence présents. d'agents, oui. Ouais. Donc, pour le moment, c'est quelque chose qui est impossible. Voilà. On va passer à la question suivante, la question 10. La situation du petit train des Templiers peine à se renouveler. 1, 2, 3. La question est mal Peine formulée. à renouveler son équipe. Ouais. Est-il possible de relayer leurs Et, besoins? ouais. Et peut-être, bah Ce je finis la question et deux. tu vas, c'est toi qui réponds. Alors, je recommence. La situation du petit train des Templiers peine à renouveler son équipe. C'est vrai que son président nous en a parlé lorsqu'il nous a rencontrés il y a quelque temps. Est-il possible de relayer leurs besoins et peut-être ceux d'autres associations dans l'écho? Alors effectivement, d'abord sur la situation du petit train, on en a été informé. C'est quelque chose auquel on est attentif, puisque le petit train des Templiers est très apprécié des Spinoliens, et même au-delà, hein, c'est ce qui participe à l'attractivité du parc. Donc, non, aucun problème pour qu'on puisse communiquer à propos des recherches de bénévoles du petit train des Peut-être en Templiers. parler dans les conseils de quartier. Oui, c'est une bonne idée d'ailleurs. Ouais. Et puis en ce qui concerne relayer les besoins des associations, on le fait déjà et comme vous avez pu le voir récemment dans les derniers échos, on a introduit 2 pages vie associative dans lesquelles on met en valeur les associations sous différents angles, soit historiques, soit pour mettre en valeur des adhérents, des professeurs, etc. Donc on participe et on accompagne les associations dans leur communication, donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Voilà. Puis Merci Nathan. la dernière Alors la question. dernière question, elle est pour moi. Est-il possible de fermer le parc des Templiers la nuit pour éviter les dégradations?
Alors, c'est un sujet qui revient régulièrement, sur lequel je me suis déjà exprimée et j'ai toujours la même difficulté à apporter une réponse précise, éclairée, chiffrée, datée, dans un planning précis. Le parc des Templiers, en fait, il présente plusieurs points de faiblesse et plusieurs problématiques. Donc, il y a plusieurs entrées sur la partie haute. Et il est accessible depuis les champs avec la forte pente côté nord-ouest, côté ouest même. Il y a un certain nombre de riverains qui ne souhaitent pas que les portes, les petites portes entre les pavillons soient closes. D'autres qui préféreraient que tout soit fermé. Enfin bon, peu importe les moyens qu'on mettra, il faut d'abord que les solutions envisagé pour sécuriser ce parc fasse plus ou moins l'unanimité, d'ailleurs plus que moins. Et je pense que le plus simple, ce sera d'en parler en conseil de quartier et que des solutions puissent se dégager. Nous, ce qu'on voit, nous élus, ce qu'on voit le plus simple, c'est un système de fermeture, c'est-à-dire quand on sort, on peut, enfin, qui permettent aux gens qui sont à l'intérieur de sortir, mais pas d'entrer à partir de certaines heures, ce qui nécessite de déployer un système tout à fait éprouvé et tout à fait performant, mais qui est coûteux. Bon, voilà. Alors, est-ce que ça, est-ce que, alors, bon, si il est retenu, si ce dispositif est retenu, il pourra être inscrit dans le ou les prochains exercices budgétaires, mais en tout cas pas sur 2021. Et puis, il faut surtout qu'il requiert l'unanimité ou en tout cas la majorité des riverains et des utilisateurs. À ce propos, pour ce qui est de l'accès handicapé aux personnes à mobilité réduite, le dispositif qui existe actuellement sur le côté droit du grand portail a été vandalisé, donc il faut qu'on le rachète. On va le changer bientôt et on va changer un peu le système, on va mettre quelque chose de plus accessible pour tout le monde, voilà, en espérant que ça tienne. Le problème, c'est pas tellement finalement ce qu'on met en œuvre ou ce qu'on pourrait mettre en œuvre ou comment dire les idées qu'on peut avoir, c'est le vandalisme. Tout est sujet. Enfin, on ne se poserait pas ce genre de questions si tout le monde respectait, si tout le monde faisait bien attention et si tout le monde ne, enfin, si certains ne cassaient pas tout. C'est vrai que c'est assez fatigant et il y a des moments où moi j'ai un peu les bras qui tombent face au vandalisme. Mais bon, on va pas se laisser décourager. Et donc je propose que les conseils de quartier puissent s'exprimer sur le sujet et nous on verra, on chiffrera et on verra ce qu'on fait derrière. Voilà. Donc on a fait le tour de toutes les questions, tout aussi intéressantes les unes que les autres. Certaines un peu nouvelles, d'autres qui ont déjà été posées, mais voilà, c'est toujours intéressant de revenir sur tous ces points qui vous intéressent tous. Est-ce que quelqu'un veut conclure parmi mes Moi, adjoints? Vas-y, je veux bien Olivier. juste prendre la main 2 secondes parce que j'ai vu sur le fil, il y avait une question qui mérite, enfin, voilà, qui peut être très rapide à répondre. Donc, les Spignolais ont tous vu qu'une boutique est en travaux dans la grande rue. La vitrine est toute noire. Ça sera normalement un restaurant libanais, donc voilà, qui doit s'ouvrir. Donc, pour l'instant, on n'en a pas du tout encore la date d'ouverture, mais d'un point de vue urbanistique, on va dire, c'est normalement un restaurant libanais qui doit s'ouvrir. Voilà. Ça, c'est Donc, une en bonne espérant nouvelle. que tout se passe bien et qu'il arrive à ouvrir, parce que, bah, évidemment, tout ce qui est restauration, souvent, et c'est compliqué et c'était pas fort. Enfin, c'est malheureusement pas la meilleure période pour ouvrir, mais en tout cas, on souhaite que ça puisse s'ouvrir normalement. Voilà. On espère tous, on croise les doigts. Pas d'autres questions auxquelles on peut répondre ultra rapidement sur. Non, t'en as pas vu? Bon, en tout cas, merci à tous pour toutes vos questions. Pour toutes vos questions tout aussi intéressantes les unes que les autres. Si certaines vous viennent à l'esprit, on fera un nouveau live début juin. En principe, si tout va bien, le prochain conseil municipal devrait avoir lieu mardi 1er juin. Donc le lundi suivant, qui est le 7, on répondra à toutes les questions qui n'ont pas été traitées aujourd'hui. Merci à tous, merci à mes adjoints et aux élus qui ont participé à la mise en œuvre de cette nouvelle édition du live. J'ai l'impression d'être une journaliste.
Voilà, bon. En tout cas, on prend de Oui. plus en plus de plaisir. Et franchement, Même à ça, distance. même à distance, on s'amuse bien à essayer de comment Apporter dire? toutes les réponses. Voilà, et rester en contact avec vous parce que on est censé être confiné et on n'est pas trop censé se balader et aller au contact, à votre contact et à votre rencontre. Mais enfin, on le fait quand même au détour de nos emplettes et de nos rendez-vous. On a toujours le même plaisir à essayer de garder du lien et à communiquer avec vous. On vous souhaite tous une bonne soirée. À bientôt. On vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Ah, j'ai oublié quelque chose d'essentiel, d'essentiel, d'essentiel. Je rappelle que par arrêté du 2 avril, non, c'est pas celui-là, du 4 mars, le port du masque est obligatoire sur la totalité du territoire de l'Essonne, en particulier dans les agglomérations, les parcs et jardins. Donc, s'il vous plaît, mettez votre masque. Vous pouvez être verbalisé, même si vous avez l'impression d'être tout seul dans la rue, etc., que ça gêne personne. Voilà, tout ça pour vous dire, prenez soin de vous, respectez bien les gestes barrières. Ce Covid, nous enquiquine, mais finira bien par nous laisser tranquille un jour. Voilà, on y croit. Bonne soirée à tout le monde, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Bon, ben voilà, on a fait le job.